t'attends pour te rapatrier des États-Unis en Côte d'Ivoire là-bas. Faut continuer de t'entraîner. Il y a des gens, leur problème, c'est pas le diable, c'est pas les sorciers. Leur problème, c'est leur bouche. Je connais des personnes qui sont incapables de se taire sur des choses intimes, personnelles et des projets de bonheur. Je connais des gens qui étaient très bruyants et qui l'ont payé cash dans leur vie. Tu veux parler de qui, par exemple? Tu ne peux pas passer ton temps à expliquer des choses aux gens. Ça échoue et tu continues d'expliquer. Tais-toi un peu. Silence, s'il te plaît. Silence! Ah, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu as affaire à qui encore? Le secrétaire exécutif du RHDP, le maire de Kumasi, le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Cissé Bakongo. Monsieur le gouverneur, explique-nous, c'est quoi le problème? Non, on se voit, on se parle. Il s'agit de qui? Blé Goudé. Monsieur le ministre, gouverneur, je suis avec vous comment? Y a-t-il un accord qui nous lie? Il a dit quoi, le gouverneur? Si vous dites que je suis avec vous, alors que ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Donc le ministre ment. Je souhaite que vous puissiez éclairer la lanterne des Ivoiriens. Je n'ai pas bien compris. Tu dis qui avec vous? Le Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Ne me provoquez pas. Parce que ce jeu-là, il n'est pas bien. Parce que si on joue à ce jeu, vous n'allez pas aimer. C'est si le ministre, toi, tu mets ton doigt comme ça. C'est si son front, toi, tu mets ton doigt comme ça. Son vrai visage en train de sortir. La parole d'une autorité comme vous ne devrait pas être légère. Que ta bouche ne soit pas ton ennemi. Ce qui est confirmé jusqu'à même ne se confirme pas. Calme-toi. Silence. Je vous donne la latitude de me confronter. On n'a même pas encore commencé, c'est rien comme ça. C'est un opportuniste. Il est rien du tout en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé tous les problèmes aux vieux. Yeah, les amis. La fessie, c'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Tu es un lâche Blé Goudé, tu n'assumes rien. Les rebelles vont sortir tous les secrets. La mission à laquelle ils t'ont envoyé à la CPI, là, ils vont commencer à sortir ces secrets. Tu vas voir. Continue à t'entourer des vauriennes, des femmes désespérées, comme les vieilles femmes de 70 ans désespérées qui a fini sa vie divorcée à plus de 70 ans. C'est celle-là qui est ta conseillère. Si la conseillère trouve qu'il peut maintenant parler, il part. Sinon, quand il était arrivé là, voilà comment il parlait. Moi que vous voyez là, moi je viens d'arriver. Vraiment, faut pas me mettre en problème. Quand un garçon parle plein, là, c'est qu'il a déjà goûté les testicules de son ami. On l'a fait en femme. C'est pour ça qu'il se comporte comme femme. Sinon, bon garçon qui s'arrête sur ses deux pieds pour pisser. Là. Son comportement là, quand tu vois, tu connais. Quand tu vois, tu connais. C'est les garçons qui ont déjà vu la nudité de leurs camarades là. C'est eux qui se prennent pour femme. En tout cas, comportement là est changeant, hein. Il n'a pas encore eu son récépissé. Avec tout ce qu'il fait pour te faire plaisir, là, il faut comprendre ton neveu un peu. Tu vas certainement l'avoir. À ces temps qui courent, de nos jours, le silence n'est plus un état. Le silence n'est plus un comportement. Le silence est une allure. On parle plus trop.